Salut le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect pour l'épisode 2. Donc j'espère que le premier épisode vous aura plu. Moi ça me fait très plaisir de les faire et on va tout de suite continuer. Hein. Ils n'y sont pas allés de main morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Donc bouton clic gauche pour voilà, A pour ranger. Dégagez. Shift pour sprinter. Ah, c'était. Il faut pas que j'appuie sur R, d'accord. R, c'est les grenades. Alors, faisons un petit tour de la zone. Un mode, d'accord, convertir en. Tout prendre. Tout prendre, tout prendre. Sans appuyer sur espace, c'est ça, d'accord. Ça permet de contrôler les deux autres. Donc j'espère que le son est bon, que bah, même si c'est un jeu très vieux, on va dire, vu qu'il a bientôt 8 ans, hein. Ou il a eu 8 ans il y a pas longtemps, non, j'ai oublié, il est sorti en novembre ou en janvier, bon, il est pas loin d'avoir ses 8 ans, on va dire, enfin 7-8 ans, donc les graphismes sont un peu vieillots, mais... C'est quoi cette boucherie? Mais voilà quoi. Donc on fait un petit tour, ah, cinématique. Attendez ici, donc là je suis en totale découverte hein, comme vous, j'ai jamais joué au jeu. Hein. On a gagné, commandant. Ah, il est mort. Jenkins. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. À vos ordres, chef. Pauvre Jenkins. Ça sent la fumée et la mort. Donc ça va être une première pour moi pour la trilogie Mass Effect pour le moment. Parce que peut-être qu'un Mass Effect 4 sortira un jour, mais pour le moment c'est une trilogie parce qu'ils sont 3. Mais oui, très intéressant. 3. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Ah ouais, d'accord. Il faut que je prenne... Il faut que j'attende un peu avant de pouvoir relancer ça. Que, comme vous voyez en bas à gauche, normalement, périmètre il y a nettoyé. Un petit temps de chargement. Rechargement pour pouvoir soigner. Donc ça, c'est un mode kit. Prenons. Un accumulateur, tout prendre. On y va, on continue. Tuez les tous. Oui. Difficile à contrôler quand même. Voilà. Donc ça c'est... Petit pistolet, ça c'est le Kessler, ça c'est le Storm 1 et l'Avenger. Storm 1 c'est un fusil à pompe si je ne m'abuse. C'est bien ce que je pensais. On va équiper cette arme-ci, oui, le lanceur. Il n'y a pas l'air d'avoir de munitions en fait, c'est juste de la recharge. Messieurs les légistes, à vous de jouer. Alors, qu'y a-t-il par ici? Un kit médical, d'accord. Medigel.
On va te soigner, mon cher. Voilà. Petite cinématique par ici. Alors qu'on l'aide. C'est un soldat guette, je connais pas. Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Faisons un petit tour de la zone avant de continuer. Pas censé avoir grand chose normalement. Mais on ne sait jamais. Je sais pas comment je peux faire pour me sprinter en fait. Bizarre. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le plus haut gradé? Vous êtes blessé, Williams. Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créées par les Cariens il y a quelques siècles. D'accord. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise, avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque? On est venu de la colonie principale, il y a 2 nuits, pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah non, ça c'est bon. Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise, avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Vous n'auriez pas vu un spectre turien dans le coin? Il n'y a pas de turien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il est armé jusqu'aux dents. Heureusement, il est avec nous. Plus ou moins. Désolé. Comme je l'ai dit, pas de turien. En route! Objet récupéré, fusil d'assaut, Banshee 4 à prendre. D'accord. Alors, équipez-vous du pistolet que vous a donné Ashley en cliquant sur l'icône du pistolet. Il y en a pas. Il y en a pas. Et il y a pas de pistolet. Ah si. Pardon. Ah non, c'est pas le pistolet, ça c'est un mode d'attaque. Ok. J'ai qu'un seul pistolet en fait. J'ai qu'un seul pistolet. Si vous voulez, vous pouvez lire.
Ou alors c'est un autre pistolet peut-être. Ah, celui-ci. Bah voilà. Je n'ai l'air de rien avoir ici. Non plus. Ici c'est déjà fait. Rien non plus. Lance-grenade non plus. Et sur l'armure, mode d'armure j'ai. On va l'équiper. Voilà. Donc ici normalement il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a de base. C'est tout à fait ça. Tu t'es fait. Alors U pour accéder à l'écran commando, cliquez sur un talent pour dépenser des points et améliorer cette capacité. Passez la souris sur un talent pour plus d'informations. Sélectionnez chaque coéquipier pour dépenser leurs points. On va faire du fusil d'assaut aussi encore. 2 points de fusil d'assaut. En armure de combat, donc réduction des dégâts et durcissement, et ensuite en bouclier. Et ensuite on va améliorer ceci 2 fois, voilà. Et ok. Bah j'ai pas le... ça a pas marché. Ou alors si ça a marché. Donc là... Vous pouvez lire en même temps si je passe ma souris dessus. Hein. Donc ça c'est pas grand chose. Plus de faire ça ça 40 points, non il y a mieux. Ok, on va prendre ça et projection, on va pas l'utiliser encore, on va juste prendre premier secours. Ensuite Ashley niveau 2, c'est un soldat également. On va mettre bas comme ça. Ainsi que comme ça. Ok. Donc on va aller voir par ici déjà. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Donc il y a 2 modes de tout prendre. Alors on va lui parler pour voir si elle a quelque chose à dire. On se croyait en sécurité ici. Non, il n'y a rien. Et puis les guettes sont arrivées. Ah, pauvre personne. Il n'y a pas de cible. Attention! Y'a rien non y'a rien d'autre. Ici voilà. Donc ils sont morts. On avance prudemment hein. Prudemment là je suis pas par... je suis un peu parti bon pour un mais. Mais bon. Mmh. Y a-t-il quelque chose ici? Le site de fouille. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. D'accord. Alors, F6 pour sauvegarde rapide. Voilà. Donc, pistolet, fusil à pompe, tout prendre. On va aller dans l'inventaire pour essayer de voir ce qui est plus optimal pour nous. Ça baisse mes dégâts. Ah non, ça augmente mes dégâts, pardon. De précision. Je suis pas très fusil à pompe, donc on va le donner à quelqu'un d'autre. Ça, on va le garder comme ça.
Ça c'est le sniper, on va l'équiper. Ensuite, pour Kaiden, on va lui donner le fusil à pompe. Hein. Pour Ashley, on va lui donner le pistolet. Voilà, voilà. Donc le reste, je transforme en... non, je vais rien transformer pour le moment, je vais garder. Ça peut être dangereux. Que là, il n'y a plus de points normalement pour tout le monde. Pragmatisme, conciliation, c'est les différentes, on va dire. C'est le côté obscur et le côté bon, on va dire. On dirait que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une muscade. Restez sur vos gardes. Pourquoi ils se sont transformés en fait? Ils sont encore vivants. D'accord, ça les transforme. Messieurs les légistes, à vous de jouer. Eden Prime ne pourra jamais se relever. Ils doivent agoniser pendant des heures avant de crever. Oui. Ils sont même pas morts en plus. C'est ça l'ironie du sort. Est-ce que j'ai une carte? Est-ce que j'ai une carte ici? Ouais. Ça c'est le campement. La ferroviaire. Commando. Ah j'ai de nouveaux points. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. On va annuler les points. Et on va mettre 3 points là-dedans. Ça nous permettra d'avoir. On va dire. De nouvelles compétences. Alors, ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Et pour Ashley, normalement, elle a 7 points. Bon, ça et dans ça. Voilà. Je vais soigner Kaidan. Non, c'est lui Kaidan. Voilà. Te soigner un peu l'ami. Elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Alors des conteneurs, on prend tout. Ok, un omnigel. Alors les armes, est-ce qu'elles sont intéressantes? Non, aucune des deux. Pas intéressant, pas intéressant. Non. Et non. Donc ça, il faut un peu le hacker. Et je vois vraiment pas de touche en fait pour la carte. On doit fouiller le camp des chercheurs. Ah, là derrière. Pistolet armure lourde Krogan. Prendre. Alors l'armure lourde Krogan, je ne peux pas la mettre, du moins pas pour le moment, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce que c'est pour un Krogan. Ah, telle est la question. Donc il n'y a rien d'autre à ce que je vois. Là non. Donc, on va devoir passer par ici par un décryptage. Voilà. Des humains. Loué soit le créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles? Vous savez ce qui est arrivé à la balise? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque?
C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le camp. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir, jusqu'à votre arrivée. Avez-vous vu un Turien dans les parages ? Je l'ai vu. Le prophète. À la tête de l'ennemi. Il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nihlus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée. Manuel est encore un peu déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre Turien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Savez-vous quelque chose à propos de la balise ? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses, des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Il va la fermer, lui. Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois sain d'esprit. Ouais. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Je peux accélérer les choses. Non. Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Parce que, à mon avis, c'était juste pour le tuer, le truc. Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Vous perdez votre temps. L'humanité est perdue. Notre extinction est inévitable. Manuel, je voudrais... Il vaut mieux le laisser tranquille. Je perds mon temps. Le temps ? Notre temps touche à sa fin. Oui ? Tais-toi. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, d'accord. Nous allons vous laisser. Bonne chance, commandant. Si jamais je... ne vous servira à rien. Mais... J'ai bien envie de voir ce que ça fait avant. Vous perdez votre temps. L'humanité est perdue. Faites beaux rêves, Manuel. Les ténèbres arrivent, la fin. Dieu, qu'avez-vous fait ? C'était un peu extrême. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça. Une petite bosse sur la tête. Vous avez sans doute raison. Quand il se réveillera, les médicaments... Ah, d'accord. C'est du pragmatisme, est-ce que ça a baissé... Non, ça n'a pas baissé ma conciliation. Je recharge la partie pour le faire normal. Chargé. Donc on refait ça normalement. Hein. Vous perdez votre temps. L'humanité est perdue. Ah. Je perds mon temps. Oups, pardon, je me trompais. Notre temps touche à sa fin. Bon, tu mets là. Vous perdez votre temps. L'humanité est perdue. Notre extinction est inévitable. Faites beaux rêves, Manuel. Les ténèbres arrivent. La fin est proche. Nul ne peut... Mon Dieu, qu'avez-vous fait ? C'était un peu extrême, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça. Encore quelques minutes, et il aurait fait quelque chose de dingue et de dangereux. Vous avez sans doute raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait effet. Voilà. Oui ? Vous avez besoin de quelque chose ? D'accord, c'est bon. Nous allons vous laisser. Bonne chance, commandant. Tranquille. Identifiez vos cibles. Il peut y avoir des civils. Donc, où est le spatioport ? On doit passer par là. On va continuer encore un tout petit peu et ensuite on s'arrêtera. Un autre Turien. Sa reine ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire,
Je me charge de tout. Oh. S'il y a un raccourci pour... Qu'est-ce que c'est là-bas au loin? Raccourci, donc c'est ça. Raccourci, je la mets à... Je veux mettre à 1, mais ça marche pas. Il y a un peu de bruit. Comment je fais pour le mettre dans un raccourci, moi? Comment je fais? Ah. D'accord. Je peux pas sélectionner pour elle. En mode attaque. Toi aussi en mode attaque. Non, je peux pas utiliser leur compétence à eux. Pourquoi j'appuie sur C moi? Oui, j'ai quand même trouvé la touche hein, pour la carte, sans le vouloir, mais bon. Je ne peux pas l'ouvrir ça. Ah si, je peux. Voilà. Que tout le monde reste calme. On sort. On est pas. C'est bon. Ils sont partis. Vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne va vous faire de mal. Ces trucs grouillés autour de l'abri. Ils nous auraient trouvés, c'est sûr. On vous doit la vie. Je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ce vaisseau, j'ai pensé que c'était la fin. Il est arrivé juste avant l'attaque. J'ai su que les ennuis arriveraient dès que je l'ai vu. Alors je me suis barré vite fait. Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a détalé aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport. Là où a atterri ce vaisseau. Impossible qu'ils s'en soient tirés. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte? On est simplement des fermiers, nous. On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais ça nous intéressait pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu? J'étais trop occupé à courir pour bien regarder. Je crois qu'il a atterri près du spatioport. Dis-leur à propos du bruit, Cole. Le bruit horrible. Il émettait une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés, sauf que le son était dans notre tête. Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Je dois y aller. Hé, hey Cole! Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc. Bon sang, Blake, tu devrais apprendre à la fermer. Vous avez quelque chose à me dire, Cole? Il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Vous enfreignez la loi, Cole. On ne fait de mal à personne, et la plupart du temps, on ne sait même pas ce qu'il y a dans les paquets. J'ai simplement pensé qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile. J'ai trouvé un pistolet, je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. On risque notre vie pour sauver cette colonie. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait nous être utile là-dedans? Ouais, il y a autre chose, un mode. J'allais le vendre quand tout serait terminé, mais vous le méritez plus que moi. Il y a votre contact au spatioport, Cole. Comment s'appelle-t-il? C'est pas un mauvais gars, je veux pas lui attirer d'ennui, et je suis pas une balance. Il a peut-être quelque chose à voir avec toute cette attaque. Cole, donnez-nous son nom, c'est important. Ouais, ok, vous avez raison. Il s'appelle Powell. Il travaille sur les docks du spatioport, s'il est toujours vivant. D'accord. Je dois y aller. Bonne chance. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour ce deuxième épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Zeus Dead pour la GTB HD. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo!